Et si on parlait calendrier de l'Avent? Hello les filles, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo spéciale calendrier de l'Avent à La Réunion. Oui, pourquoi je dis à La Réunion? Parce qu'on le sait tous, on n'a pas les mêmes choix qu'en métropole. Il faut savoir qu'en métropole, vous avez plein de calendriers de l'Avent comme Ritual, NYX Cosmetics, Makeup Revolution, Sephora, vous avez tout plein de calendriers de l'Avent que nous, on n'a pas encore ici. Et il faut savoir que les calendriers de l'Avent à La Réunion sont très récents. Je crois que dans les 3 dernières années, il n'y avait pas encore de calendrier. C'est peut-être apparu il y a quoi, 2 ans je pense. Moi l'année dernière, j'avais reçu celui de Nocibé comme celui-ci, voilà, qui s'ouvrait comme ceci. Donc celui de l'année dernière, il venait de métropole. Je crois qu'il y en avait aussi ici, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et cette année, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait du stock. Franchement, les enseignes ont joué le jeu, que ce soit pour Nocibé ou pour Yves Rocher. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment joué le jeu du stock pour que tout le monde ait leur calendrier de l'Avent. C'est quelque chose qui commence vraiment à prendre son sens à La Réunion. Mais je trouve qu'on manque de choix car il nous manque énormément plein de marques. Et donc cette année j'ai décidé de prendre les calendriers que j'ai trouvé à La Réunion pour qu'on puisse en parler ensemble, voilà. Alors non, je ne vais pas ouvrir les calendriers de l'Avent car il y en a à qui je vais donner, il y en a qui sera pour moi, bien évidemment je ne vais pas gâcher la surprise de l'ouvrir dessus. Et on va détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur et sur d'autres chaînes YouTube vous pouvez aussi voir certaines youtubeuses qui elles ouvre le calendrier de l'Avent pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans cette vidéo, je ne vais ouvrir aucun calendrier de l'Avent. On va juste analyser et parler des prix, du packaging, de ce que je pense, voilà mon avis. Cette vidéo n'est en partenariat avec aucune des marques des calendriers de l'Avent que je vais vous montrer. Elle est en partenariat avec ma carte bancaire. Donc on va commencer cette vidéo. C'est parti! Si les marques regardent, je pense que c'est les critiques que j'aurai dans cette vidéo, ce sont des critiques constructives pour que vous puissiez nous proposer quelque chose de mieux. On pourrait intituler cette vidéo « Les calendriers de l'Avent top flop de l'île de la Réunion ». Mais bon, je sais pas, à vous de suggérer un titre pour cette vidéo. Donc je vais commencer par celui qui m'a le moins emballé. Donc c'est le calendrier de l'Avent de Mado Réunion. C'est un calendrier qui se présente comme ceci. Franchement, le packaging, il est très très beau. Moi, j'aime bien rose gold, argent et tout. Il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et donc, vous avez bien 24 cadeaux à l'intérieur. C'est un calendrier de l'Avent de make-up, uniquement de make-up. Donc, vous avez une poudre libre. Des fards à joues, une palette fard à paupières, un gloss, un rouge à lèvres, des paillettes de corps, crayon à lèvres, vernis, eyeliner et mascara. Donc franchement, ce calendrier, il est bien pour les jeunes filles, voilà, je dirais, de l'âge de 14 ans. Voilà, pour les jeunes filles, les adolescentes qui commencent vraiment à se maquiller. Parce que pour moi, Paris Saxe, c'est pas une marque de make-up de ouf en fait. C'est vraiment la base, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et c'est le genre de choses qu'on retrouve à Carrefour pendant les fêtes de Noël. Et donc pour moi, ça me choque un peu que Mado propose un calendrier de l'Avent make-up de cette marque-là. J'aurais compris si c'était un calendrier de l'Avent. Je sais pas, ils ont énormément de parfums de luxe. Dior et des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est des calendriers comme ça qu'on veut, nous, à La Réunion. Des calendriers Dior, des calendriers L'Oréal. Encore L'Oréal, ça va, vous voyez. Au niveau make-up, au niveau de la qualité et tout, là, ça commence à aller en âge. L'Oréal, ça va. Un calendrier Black Up, franchement. Black Up, c'est un peu le concurrent un peu de MAC Cosmetics, en fait. On a quand même des trucs de luxe dans Mado, comme
les guerlains, les trucs comme ça. Donc là, nous sortir un calendrier comme ceci, franchement, voilà, hein, prout prout, hein. Non mais sérieusement. Bon, après, il est abordable. Donc ça, c'est très bien, il est abordable. Le prix varie entre 27 et 29,90€, c'est ce que j'ai vu. Même en métropole, le prix est dans ces eaux-là. Donc ça, c'est super. Ils ont gardé un peu le prix métropole, donc ça, c'est cool. Mais voilà, Paris Saxe, pour moi, ce calendrier, voilà, il est bien, mais il n'est pas pour moi. Il est... pour ma petite sœur, par exemple, voilà. Et je pense que je vais donner ce calendrier à ma petite sœur qui commence tout juste à se maquiller et qui a 14 ans. Voilà pour ce calendrier. Pour le calendrier suivant, je me suis posé la question s'il y avait des calendriers de l'Avent pour les hommes. Eh bien, c'est très très rare. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, les hommes sont assez... ils prennent soin d'eux et je pense qu'ils doivent avoir un calendrier de l'Avent pour eux. Je sais qu'en métropole, il y a Nivea. Nivea Men qui a fait un calendrier de l'Avent pour les hommes. Et il y a aussi sur Azos, j'avais vu l'année dernière, ils ont fait un calendrier de l'Avent pour hommes. Mais cette année, j'ai pas trouvé. Et puis ça... c'est pas, ça saute pas aux yeux, on voit pas, on n'entend pas parler. Et je pense que ce serait vraiment un marché à prendre de faire un calendrier pour les hommes. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé pour offrir à mon copain, c'est ce calendrier de l'Avent. Voilà. Il vient de chez Palais d'été. Voilà. Donc, vous avez 24 jours de thé à déguster. Franchement, le Palais d'été Paris, c'est super. Moi j'aime bien, on avait acheté du thé là-bas, on avait fait un chai latte, oh là là, c'était trop trop bon. Et moi je sais que mon copain adore le thé, le calendrier sent hyper bon le thé, et il se présente comme ceci. Donc voilà comme idée ce que j'ai trouvé pour les hommes, donc le palais du thé. Donc si vous avez un copain qui aime boire beaucoup de thé ou une copine qui aime boire beaucoup de thé, ou même l'offrir à vos parents, hein, c'est franchement il est pas mal. Et au niveau prix, il était à 24,99€ je crois. Mais ça dépassait pas 30€ ni 27€, c'était 24,99€. Et je me suis dit franchement c'est une très très bonne idée. Et ben voilà, c'est pour compenser le fait qu'il n'y a pas de calendrier de l'Avent pour les hommes et que c'est dommage. Mais... ce calendrier, je valide totalement, il est super bien et abordable, donc c'est validé. Pour continuer, on va passer au calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Alors celui-là, il est très très lourd. Le packaging est vraiment super, j'adore le packaging. Alors je vais essayer de l'ouvrir, juste pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà. Waouh, ça s'ouvre comme ceci et c'est très 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 beau. Et voilà, en fait vous enlevez, voilà, comme ça. Franchement, même au niveau, comment dire, au niveau des produits, on n'a pas l'impression d'avoir des échantillons. Parce que dans certains calendriers de l'Avent, excusez-moi, on a vraiment l'impression d'avoir des échantillons qui nous donnent comme ça et qui mettent dans des petites cases. Mais là, il est vraiment lourd et on a vraiment l'impression d'avoir acheté un calendrier de l'Avent avec vraiment des produits. Celui-là, c'est mon calendrier de l'Avent, donc je vais pas l'ouvrir, je vais attendre le 1er décembre comme vous. Et c'est celui que je me suis offert. Donc à l'intérieur, on aura alors un gommage granité éclatant. Puis un masque gelé purifiant, un baume à lèvres, baie de minuit, une eau micellaire, un gel nettoyant, un gel crème hydratation non-stop, une crème verte correctrice et comme make-up, bon ça c'est les soins, et comme make-up on a un grand rouge à lèvres mat, sexy pearl mascara, le vernis go green, un autre vernis, ou c'est crayon deux fois, je sais pas. Un crayon colle et pour les cheveux, du vinaigre de rinçage brillance. Mais ça, c'est pas mal. Ça me donne envie de tester le vinaigre de rinçage. Par contre, niveau prix, c'est autre chose. Parce qu'en métropole, ce calendrier est à moins de 40€. Voilà, il est à 39,95€. Et je ne comprends pas pourquoi, ici, à La Réunion, ce calendrier de l'Avent nous coûte 47€. Vous avez 7,95€ de différence. C'est énorme.
Franchement, pour moi, quand on dépasse les 45 euros, bah moi j'arrondis à 50 euros. Voilà. Là, j'ai vu des youtubeuses qui disaient « Ah ouais, le calendrier de l'Avent de Yves Rocher, il est à moins 40 euros. » C'était vraiment un argument pour vendre ce calendrier de l'Avent-là à moins 40 euros, qui est vraiment quelque chose de bien. Il est très bien, ce calendrier. Moins de 40 euros, ça aurait été très bien pour nous aussi. Et je ne comprends pas pourquoi à La Réunion, on n'a pas les mêmes prix qu'en métropole. Voilà. Alors que les calendriers de l'Avent de Nocibé, ils sont à 29,90€ en métropole, ils sont à 29,90€ à La Réunion. Voilà, donc je ne comprends pas. Si vous pouvez, Yves Rocher, nous expliquer pourquoi cette différence de prix, on serait ravis de comprendre, voilà. Je choisis mes calendriers de l'Avent, j'aime bien en fait avoir un peu de tout. Avoir des produits de soins, avoir des accessoires, avoir des make-up. J'aime pas avoir que des make-up. En fait, je voulais faire venir le calendrier, l'Avent de NYX Cosmetics. Je sais plus comment ça s'appelle, Ice, un truc. Voilà, très très beau, rose et tout. Mais j'ai trouvé que dans ce calendrier de l'Avent, qui coûtait, je crois, 57 euros à 59 euros, il y avait trop de lipstick. Voilà, lipstick, il y avait trop de rouge à lèvres. Enfin, j'ai pas trop aimé, voilà. J'aurais aimé avoir plusieurs trucs. Des vernis, même si on reste dans le make-up, je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre comme produit dans les make-up et de ne pas seulement mettre des lipsticks. Enfin, bref. Et pour finir, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent de Nocibé, voilà, qui est à 29,99€. Et pour moi, en fait, Nocibé, c'est vraiment les meilleurs. Ben, niveau tarif, ils sont exactement pareil que la métropole. Et en plus, ils proposent deux calendriers différents. Donc vous avez celui-là qui est comme celui de l'année dernière en fait, niveau packaging. Ils ont changé en fait les cadeaux à l'intérieur, mais ils n'ont pas changé le packaging. Et franchement, je l'adore. Pour moi, il est tellement mignon. Et donc, celui-là, il regroupe un peu le tout. Donc vous avez du make-up, vous avez des accessoires, vous avez des produits soins pour le visage. Et à 29,90€, un truc aussi mignon et aussi volumineux, je trouve ça vraiment, niveau rapport qualité-prix, très très bien. Il y a un autre qui va arriver la semaine prochaine, qui est à 49,90€. Et l'autre, en fait, il sera exactement comme celui-ci. Voilà. Donc dans celui-ci, ben, vous aurez plus de produits normalement. Enfin, plus de produits... Enfin, pas dans la même gamme, quoi. Voilà, vous avez compris. Et donc, celui-ci, je l'ai acheté pour vous, mes abonnés. Je vais faire un concours sur Instagram suite à cette vidéo. Et j'espère que l'une d'entre vous remportera ce calendrier de l'Avent. Le concours sera ouvert qu'aux personnes qui habitent à l'île de la Réunion. Bien évidemment, je ne vais pas envoyer un calendrier de l'Avent par la poste. Surtout en ce moment où c'est confiné en métropole, donc voilà. Cette vidéo est assez courte, mais je pense assez utile. Je pense qu'il y a matière à discuter sur les calendriers de l'Avent de La Réunion et sur les prix qu'on pratique, sur les choix qu'on a. Malheureusement, on n'a pas énormément de choix. Et voilà, pour moi, Mado, il faudrait nous proposer d'autres calendriers de l'Avent, si c'est possible. Yves Rocher, si vous pouvez baisser un peu les prix, ça serait bien. Voilà. Puis on va voir ensemble, on va découvrir ces calendriers de l'Avent tout au long du mois de décembre. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas ouvrir en fait. Je trouve que ça gâche la magie des calendriers de l'Avent de l'ouvrir comme ça en vidéo avec vous. Donc, suivez-moi en story pendant tout le mois de décembre et vous verrez ce que contiennent ces calendriers de l'Avent. Laissez-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous avez commandé, vous. Regardez, en fait, je voulais faire venir un calendrier de l'Avent et j'ai bien aimé celui de Ritual qui est à 60 euros. Et là, je me suis dit, non mais comment je vais faire venir ce calendrier de l'Avent, franchement. Même si j'ai ma copine qui pouvait me l'envoyer et tout, j'avais peur qu'il arrive dans de mauvais états. Et donc, je me suis dit, attends, on a des calendriers à La Réunion, donc je vais prendre ceux de La Réunion et on va voir à qui on peut l'offrir, comment c'est et qu'est-ce qu'on va aimer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Laissez-moi vos avis, laissez-moi vos commentaires. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine vidéo. Bye bye.